Amis, comment nous sommes? J'espère que nous sommes tout en forme. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous pour parler de football. Parler de football haïtien. Et puis, aujourd'hui, on vient parler directement de la sélection nationale dans le pays d'Haïti, sélection senior féminine. Non. Nous connaissons qui est engagé dans les affaires éliminatoires de la Coupe du Monde qui a fait dans le pays Nouvelle-Zélande à partir de 2023. Et bien, écoutez, dans la première phase, l'équipe haïtienne ne se trouve pas sans faute. On va parler de nos deux possibilités. Dans la deuxième phase, pour ne pas dire dernier tour. Moi, mais plus que je me dis ça, dans le dernier tour, là, comment ça va être fait pour la sélection nationale pays d'Haïtien, dans le carré magique, là, pour nous connaître. Est-ce que la sélection nationale elle-même est capable de qualifier pour la Coupe du Monde, ça? Mais on dit oui, elle est capable de qualifier. Nous allons parler de tous les détails, qui ça va le faire, qui les travaux sont faits, qui les compétitions elles-mêmes sont supposées faire. Comment ça va aller pour la sélection nationale pays d'Haïti, qui c'est sélection senior là, avec entraîneur par nous, qui c'est entraîneur de l'Épine, qui a dirigé l'équipe ça, qui a dirigé l'équipe ça. Mais avant que nous allions, nous toujours bien fait ça, oui. Amis qui toujours été connectés sur le channel, ou même qui vivent pour la première fois abonné, ou même tout qui toujours si ancien, nouveau abonné, catégoriquement aidez nous partager le channel ça, avec les amis, leur une petite vidéo, et partager, commenter, quitter, commenter, dis-nous qu'on vous attend de nous, et nous avons toujours fait pour nous saluer chaque zone que vous attendez, tant que vous amis qui répliquent Dominicain, qui toujours fait ça, amis Haïti, amis Chili, amis Brésil, amis Mexique, Suriname, amis Suriname qui toujours fait ça, amis Guyane française, amis tout Bahamas, qui s'en va dire encore tout, travaillant dire partie dans le Caraïbe, nous saluons, si nous prenons partie dans le Caraïbe, amis tout qui a branché nous, et quel que soit côté États-Unis, ou même tout qui la France, Canada, quel que soit côté que vous pensez Chanel, ça n'a pas dit que nous parlons football haïtien. Des gens qui toujours fan ça, qui par exemple parlent, mais qui toujours été des auditeurs, comme si des auditeurs, des spectateurs, ça, qui toujours été fidèles avec Chanel, ça, merci. Merci, merci infiniment. Nous n'avons que ma travail pour nous ici, c'est que nous avons un travail à chaque jour. Nous avons toujours goûté pour nous baou information sur le football haïtien, sur le joueur haïtien qui a joué. Non, en mode là. Nous parlons directement de sélection nationale pays d'Haïti. Hein? En tout cas, sélection ça, qui c'est sélection féminine, non? Tout haïtien, majorité haïtien qui gagne, qui remet football, c'est avec un cœur content les n'a regardé l'équipe haïtienne n'a pas joué. Bien plus le monde qui t'a remis quatre matchs de football, des fois on pas regarder nous qu'on est ça fait droit d'auteur. Bien plus qui toujours demandé pour qui ça me pas porter pour nous sur channel moyen non. On parle de difficile pour t'arriver sur YouTube pour jouer nos matchs de football et pour jouer nos matchs de football sans répondre l'autre chaîne qui gagne droit d'auteur sans pour qui passer la difficile. Ça veut dire que j'en parle aujourd'hui dans ma bonne information de l'équipe là, les capables très difficile pour me tabarou ou capable bâcher mon channel sans encore le jour que me taille prend un match de football puis m'a passé le channel là. Eh bien, l'équipe haïtienne ça catégoriquement qui t'a joué à moi-même émotion chaque fois que m'a regardé jouer haïtien nous capable football, me sentir comme si me sentir plus haïtien. Je me sens plus haïtien parce que je me sens gondlo qui a coulé dans les yeux, je me sens content. Je suis tellement aimé à regarder haïtien qui a joué au football. Des fois, je me sens plus haïtien parce que tant que les raté un goal, les que yo a raté une action, je me sens vle crier. Comme tellement je me sens que je suis fier de regarder un haïtien qui a joué au football. Je suis celle, Ramoun qui a parlé de football. Qui a parlé de football au niveau national ou soit international, qui parle jamais, qui a un amour ça qui découlait pour aucun l'autre équipe qui est la sélection nationale pays d'Haïti, qui ont joué à Haïti qui a joué. Alors, je dis que je vais regarder le football, mais immédiatement que je vais regarder le football haïtien, c'est l'autre bagaille. Ça, c'est sûr et certain que sélection nationale dans le pays d'Haïti, qui se trouve pas pour sans faute, a marqué près de 44 goals. Pour le match en été, je face à l'équipe Honduras, on a battu 6 à 0. Ils ont un deuxième match face à Barbade, ils ont joué dans la cour, équipe cubaine, ils ont battu en question de 11 goals, ça fait 17 goals. Et ils ont joué un autre match face à l'équipe Nouvelle-Britannique, qui nous connaissons ce fait là. Le 9 l'an, nous battons une vierge britannique en question de 21 goals à 0. Nous venons équipe, nous venons marquer équipe, nous venons marquer nous faisons pillage victoire dans l'histoire équipe haïtienne. Ça, l'équipe haïtienne nous fait pillage victoire dans l'histoire. Nous et c'est un match nous pas deux jambes oublier pillage victoire que Haïti fait dans affaire football féminin. Non, senior là, c'est face à l'équipe une vierge britannique. Là, 9 avril qui se passe là en question de 21 goals à 0. Et puis tout. Premier pillage victoire nous t'ai fait, c'est une question de 14 goals à 0. Nous venons faire la victoire, pillage lancé 21 goals à 0. Ça, c'est un bagage qui était caprété dans la mémoire, tout haïtien dans la mémoire football là, qui a été fait une victoire qui est vraiment extraordinaire, 21 goals à 0. Et puis tout, et tout le monde, gens qui nous t'a là, et t'as joué contre l'équipe cubaine là, l'équipe cubaine qui a gagné tant qu'on est que.
yo pas de courir ouvert quoi pour pas aller à la catastrophe, pour pas tomber et très fort. Eh bien, dans match football là, on était campé dans camp yo, yo pas voulu sortir, il t'a veillé pour un petit tout vide pour rentrer, équipe haïtienne t'a joué avec t'a joué très bien, on prend t'a joué en façon que pour moi-même que tu capable faire plus goal dans premier dans premier temps, avec toujours même déchets, on toujours gagne toujours même déchets yo, et déchets yo comme si gagne construction que nous pas fait parce qu'on n'est pas arrivé à temps, des longues passes qui pas réussir, c'est une raison que faut que l'entraîneur toujours commence à travailler sur ça, sur base ça avec équipe là, catégoriquement, même si que équipe et avec entraîneur, il vient avec un système que équipe là capable de démarrer et match football là, à la base, pour faire des passes, pour capable contrôler Gonjo, jusqu'à qu'il devine tourner vite des ballons. Loin, mon qui te mérite de faire ça, c'était Etienne qui t'a retourné vin prendre ballon. Mais n'a regardé comme meilleur joueuse qui est dans l'équipe là pour moi-même. En plus, le monde doit pas voir ça, mais ou capable soit regarder football avec jeu football, meilleur joueuse équipe haïtienne dans il est à mon désir qui gagne capacité qui pas vin aux gens qu'elle était auparavant comme une frambiteuse l'été. Mais si nous venons une joueuse qui grandit, qu'elle est capable de retourner vin faire jouer l'homme, aider l'équipe là jouer, prend boule là, chercher côté joueuse. Fait parce qu'elle mérite de faire pour équipe l'an joueur ou capable catégoriquement, c'est travail ça qu'elle a fait, malgré que c'est lui-même qui a joué en attaque avec l'équipe l'an, mais c'est lui-même qui tourne vient faire jouer l'an, qui est le monde qui t'a dû à faire jouer ça, c'est Daline Etienne au soir. Coventina qui t'a dû faire jouer ça, ou soit Mouril qui t'a fait, Mouril qui a fait jouer, qui a fait jouer de salle là pour moi-même, c'est jouer de salle là, li qui a fait dans le monde qui t'a dû, qui est dans le rentrer, c'est Daline Etienne, et puis le monde qui t'a dû faire jouer là, c'est le monde qui a joué en 6, qui a joué devant 6 là, malheureusement c'était Mouril, mais catégoriquement, le monde qui tournait qui a fait jouer là, il est. Les aînés, il y a mon désir, qui permet l'équipe de grandir, qui fait l'équipe en aller jouer là. Et c'est ça, tout qui permet l'autre joueur capable de jouer en retrait, capable de jouer en déviation, en parlant de bon jeu là, qui a joué en retrait, qui a une bataille physique là, qui est capable de faire ça. Mais l'équipe haïtienne, non, les vins dans deuxième mi-temps, vins jouer dans deuxième mi-temps, capable de faire une belle passe. On prend une longue passe de Kitia lui, contrôle de la patrine de l'autre joueur à Chelsea Supré, et puis il fait coup de passe là pour et fait coup de sainte là, nickel, il fait coup de sainte là et amorti de la poitrine de le capitaine Nouné, il a amorti, c'est 1-0. Belle goal, 23e minute de jeu, dans la deuxième période là, équipe qui bat à part, il ouvre petit colis, et il prend 5 goals, il fait 6 goals à 0, équipe haïtienne n'a pas. Eh bien, à 6 goals à 0, ça, Jean-Claude Nouvel, non? Haïti lui-même, catégoriquement, nous avons une chance pour nous à participer dans la dernière phase. Dans la dernière phase qu'a fait dans le pays Mexique, dans la ville de Monterrey, à partir de 4 au 18 juillet, qu'a vu là. Eh bien, catégoriquement, à partir du mois de mai, toute compétition européenne a déjà fini. Les immédiatement a fini. Jouer ce football, ça, on a capable de gagner pour nous faire 2 à 3 semaines, ou soit même 2 à 3 semaines de préparation pour nous capable de gagner une équipe haïtienne qui est très compétitive, nous jouer des matchs amicaux, pour nous capable de jouer une équipe haïtienne qui est vraiment en compétitif, pour nous capable de jouer une qualification pour affaires Coupe du Monde, ça qu'a fait dans le pays Nouvelle-Zélande. Comment ça va aller? Yo fait classement en vertu de classement FIFA, classement équipe ça yo, et c'est ça fait que yo font chapeau côté que chapeau que yo fait un chapeau, 2 chapeaux, 3 chapeaux, 4, dans chaque chapeau ça yo gagne 2 équipes. Et bien dans chapeau 1 qui a pas gagne groupe A groupe B qui gagne États-Unis Canada, et puis dans chapeau 2 qui gagne Mexique la dernière, Mexique et Costa Rica, Jamaïque et Panama, Haïti et Trinidad. Ça veut dire que Haïti 7e dans zone. Ça fait que ouais, c'est Haïti qui est 7e. Ça veut dire premier dans zone nan, premier c'est États-Unis, premier Canada 2e, Mexique 3e, Costa Rica 4e, Jamaïque 5e et Panama 6e, Haïti 7e, Trinidad 8e. Il fait souvent le classement que zone 9, classement FIFA, ils appellent que ou est-ce qu'on s'en fait. Chapeau ça, avec chaque équipe ça a gagné 2 poules, 2 premiers de chaque poule, avec 10 premiers, 2e de chaque poule, yo, boule A et poule B, il y a qualifié pour Coupe du Monde là. 3e de chaque poule, yo pral jouer barrage.
Nous parlons de bar intercontinental, nous parlons de comment bar intercontinental en fait, mais catégoriquement Haïti doit goumer. Qui est bien pour les États-Unis, qui est bien pour le qui gagne Canada, faut que nous goumer pour nous jouer une qualification pour compétition ça qui c'est Coupe du Monde. Il y a quatre équipes qui peuvent qualifier, quatre premiers, on va dire là, deux premiers de chaque groupe ça, ils vont jouer demi-finale. Bon, bon, le match de demi-finale là, c'est deux équipes finalistes qui qualifient directement pour Gold Cup là, et puis troisième là pour jouer et troisième quatrième là pour jouer pour connaître qui est-ce qui pourra jouer, qui pourra aller qualifier comme troisième équipe qui qualifie catégoriquement quoi. Pour le gourmet pour le connaître pour qualifier pour affaire et Gold Cup. Son paquet de bagages qui lié, c'est sûr et certain que l'équipe haïtienne a gagné assez de capacité pour être capable gourmet pour une qualification. N'a pas été contacté sur Chanel là. N'a pas été ces informations pour les autres. Ciao, ciao, à la prochaine.